le train de la relance fait étape aujourd'hui à Amiens. Il vient au contact de la population, il vient au contact des entreprises, au contact des collectivités locales pour expliquer quels sont les dispositifs, quels sont les outils, quelles sont les mesures dont tous les acteurs locaux peuvent se saisir. Dans ce train, on découvre ce qu'est France Relance à travers trois piliers qui sont l'écologie, la compétitivité et la cohésion. On a également une deuxième voiture qui accompagne ce plan de relance sur une partie plus personnelle, sur le développement personnel, avec des séances de coaching, des ateliers, des conférences, un espace dans lequel Skyrock propose d'accompagner des gens sur la façon de se présenter et les aide à se faire un mini CV vidéo. On s'assoit tranquillement à une table, on discute et on va faire en fait les grandes lignes du CV pour déjà poser une base. Et ensuite, on va se diriger sur une cabine qui est juste derrière avec la possibilité en fait pour les jeunes de mettre leur téléphone et ils vont se filmer directement pour créer leur CV vidéo. Ça leur permet d'acquérir des bases là, au niveau du maintien, du sourire, du débit de parole et surtout de mettre en avant leur qualité. Le plan de relance dans les Hauts-de-France, c'est près de 5 milliards au profit du territoire régional. 230 000 jeunes aidés vers l'emploi. Le plan de relance, c'est une boîte à outils accessible, des solutions concrètes, des réponses humaines.